Bonjour, aujourd'hui le 5 mars, donc je commence un nouveau mois de vlog. Peut-être une quinzaine, je ne sais pas, ça va dépendre de mes disponibilités à venir vous faire. Fait que donc, comme d'habitude, la formule va être pareille, sauf que je vais vous faire toutes des petits bouts, ça va peut-être être moins long puis moins prenant pour moi aussi. Donc, je commence ça aujourd'hui le 5 mars, je vais vous en revenir avec mon Earthwarmer Sweater que je termine très bientôt. Je vais vous mettre des petits extraits à quelque part. Puis la fin de mon zipper, sweater de petite knit, probablement dans le courant de ce vlog-là aussi. Et mes bas couleurs bonbons que je vais terminer. Ensuite, je vais me laisser tenter. Je vais commencer à regarder pour trouver mes prochaines tentations. Mes prochaines tentations du moment, j'ai vu quelques petites affaires passer. Je vous en reviens là-dessus. Fait que là, je termine tout de suite. C'est juste une petite intro que je vous faisais aujourd'hui, le 5 mars. Donc, je m'en vais travailler. Puis, je vous reviens dans pas long. Bonne journée. Bonjour, vendredi le 8. Donc, je viens faire le suivi de mes avancées. Fait que aujourd'hui, il fait super beau dehors. C'est merveilleux. Un beau ciel bleu, dégagé. Colin, on n'a pas eu d'hiver. Il n'y a pas de neige dehors. Tantôt, je suis allée promener le chien. Puis, même le dessus de la terre est comme dégelé. Là, puis, c'est comme même pas boiteux. Même pas boiteux. Je ne sais pas quelle sorte de printemps ou d'été qu'on va avoir. La terre, elle l'absorbera pas. Je ne sais pas quelle récolte que ça va donner non plus. Un hiver, pas de neige de même. Je suis un petit peu inquiète, moi, à voir comment que ça s'en vient. Même en Gaspésie, là, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il n'y a pas plus de neige. Là, on est rendu le 8 mars, puis il n'y a absolument rien, là. Fait que c'est ça, je suis pas là pour parler de météo, mais je vais vous parler de mes petits oiseaux. Mon oncle, il m'avait offert, ça va être mon anecdote, OK? Mon oncle, il m'avait offert, c'est un menuisier, il m'avait offert l'année passée une cabane à moineaux. Puis, il était trop tard pour que je l'installe, mais je l'ai fait installer par mon mari quand même à l'automne. Je dis, tu vas me l'installer sur le coin de la galerie, puis si, pour la beauté de la cabane, mais s'il n'y a pas d'oiseau qui vient, ça sera ça. S'il y a des oiseaux qui viennent, ben coudonc. Sinon, ben, la cabane, elle servira de décoration sur le coin de la galerie. Fait, finalement, tantôt, en sortant mon chandail, parce que je l'ai lavé hier soir, puis je l'ai mis à bloquer, puis là, j'ai dit, il fait assez beau dehors, que je vais l'envoyer un petit peu prendre l'air frais, ça va faire du bien. Fait que je l'envoie dehors, puis j'ai entendu comme gratter. Je me lève les yeux, puis je vois une petite branche qui rentre dans la cabane. Je dis, non, hein? Les petits oiseaux sont à préférer le nid. Il fait tellement beau que les petits oiseaux sont commencés à faire le nid. Fait que je suis contente, je vais avoir des petits oiseaux à ma cabane. Fait que si je suis capable de vous mettre un petit extrait, je vais vous mettre ça. On n'est pas toutes comme Chantal à avoir la mort au canard. Hein? Moi, j'ai une petite cabane sur le coin de ma galerie, puis je suis toute contente de ça. Fait que j'ai terminé mon Earthwarmer Tea. Tant m'avoir pratiqué pour m'en venir à que c'était même pas le bon nom. Fait que c'est vraiment le Earthwarmer Tea que j'ai terminé avant hier. Je l'ai lavé hier soir, je l'ai mis à bloquer. Je vais vous montrer un petit extrait ici. Fait que la construction, je l'ai monté sur des 4.5. Colin, j'ai même pas regardé. Puis là, c'est mon téléphone. J'ai pas le bon téléphone pour filmer. Ben, je vous en reviendrai sur la construction quand que je vous ferai un petit bout porté. Là, je l'ai lavé, fait que je ne l'ai pas porté. Je ne mettrai pas de petit bout, finalement. Je pense que je vais vous le filmer en direct. Bougez pas une petite minute. Je vais vous emmener en réel. On va faire tourner ça, cette affaire-là. Comment que ça marche? Oh, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ben, je vais vous mettre un extrait. Tiens, je vais vous en remettre là. Finalement, je vais vous mettre un extrait parce que en mode... Eh bien, en mode cinéma sur ma caméra de téléphone, elle ne veut pas switcher d'un bord à l'autre. Fait que je vous mettrai un extrait à la place. Fait que il est après bloqué. Je l'aime d'amour, franchement. Puis les petites affaires que je vous disais, là,
sais, où ce que tous mes rangs raccourcis arrivaient à la même place. J'ai fait, je pense, ces 5 ou 6 rangs raccourcis. Puis ensuite, on fait toutes les mailles tricotées ensemble. Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris dans les explications du patron parce que c'était pas la première fois. Ben ouais, c'était. Je suis pas trop avec. J'étais le débutant dans les patrons en anglais. Fait que je comprends quand même pas pire, mais quand il y a trop de phrases, les abréviations, ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis avec les vidéos, puis tout, c'est tellement bien expliqué que j'ai pas de misère à aller chercher. C'est quand il y a trop de paragraphes, de l'explication que blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Là, je me perds. Là, je me perds. Fait que si dans le patron, ça dit, ben, rendu à telle étape, vous allez faire ci, vous allez procéder comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, puis que là, ça se rallonge, ben là, la traducteur, il n'est pas tout le temps, selon moi, efficace. Fait qu'il traduit comme un petit peu, on va dire, comme par chez nous à la wagon. Là, des fois, je doute de la traduction, fait que j'y vais à ma tête. Fait que là, je me dis, on y va avec le bon sens, là. Je me dis, bon, ben, c'est de même, c'est de même. Fait que moi, je l'ai compris comme ça, que c'était, on va tout ramasser les mailles ensemble, puis tricoter, je pense, ça donnait comme 6 mailles, 6. Ah oui, ça, 10, non. 6 mailles. 6 mailles d'une shot. Fait que ça a fait comme la petite noix. Je vais vous la montrer en plus proche, tantôt. Donc, ça faisait comme une petite poche, tu sais, quand on met le vêtement sur un cintre pour faire sécher, ben il va faire je veux dire une boursouflure, là. C'est pas une boursouflure, il va faire comme une petite poche où ce que le coin du cintre est. Ben ça faisait ça. Fait que là, avec le blocage, on dirait que ça s'est estompé. J'espère que au porté, il cherchera pas à repiquer pas comme ça. En tout cas, on verra, là, je reviendrai là-dessus. Dans le pire des cas, je mettrai une note dans le patron en disant que faire attention parce que j'ai bien l'idée de refaire. Hein. C'est sûr que je vais le refaire. C'est sûr que je vais le refaire. Je vais probablement le refaire avec les manches longues pour cet hiver dans une laine autre que la Mérino soie. Parce que pour ce chandail-là, quand j'avais commandé la laine, j'avais commandé de la Yak. Mérino Yak nylon, j'avais commandé de la Mérino nylon, puis j'avais commandé de la soie Mérino. Puis je connaissais pas le. Je connais pas soie à laine, moi là. J'ai toujours tricoté de l'acrylique dans ma vie, fait que des chandails, je faisais ça en acrylique, puis même des fois, je le faisais en Fentex. J'avais déjà fait un chandail à moi. Hey, je vais vous retrouver la photo de mon premier chandail. Je vais peut-être vous la mettre dans cette vidéo ici. J'ai tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Fait que je dis, oh! Je pense que j'avais 15 ou 16 ans, cette photo-là. Je vous la mettrai dans le courant de la vidéo en surprise. Donc, c'est ça. J'ai jamais tricoté de la vraie laine. J'ai toujours tricoté en acrylique parce que, d'un, j'ai jamais eu le budget pour. Puis, de deux, ma mère, elle tricotait pas de laine nécessairement. Elle tricotait de l'acrylique, là. Puis ma grand-mère aussi. Peut-être que ma tante, elle a tricoté de la laine, en tout cas. Nous autres, en Gaspésie, on n'avait pas les boutiques Alliance Pingouin ou Bergère de France, puis toutes les boutiques de laine qu'ils pouvaient avoir dans ces années-là, puis même encore aujourd'hui. Dans mon petit coin de pays, là-bas, il n'y avait rien, fait que j'ai toujours tricoté l'acrylique. Donc, c'est juste à partir de l'année, de là, 2 ans à peu près, que j'ai commencé à m'intéresser à la laine, puis aux propriétés de la laine, après que j'aie acheté du bambou. J'avais acheté un fil de bambou, mon Dieu, c'était sur. Non, c'est pas vrai. J'avais été chez Michaels, j'avais acheté de la laine de bambou. Puis j'avais lu sur l'étiquette que c'était avec des propriétés anti-odeur. Je vais dire anti-odeur, là. C'est éco-responsable parce que c'est une ressource renouvelable. Je me suis dit, Colin, si je peux donner un petit coup de pain, un petit coup de pain. Pif, pif! Un petit coup de main à nature en allant avec des produits plus énergie renouvelable, ben, Colin, je vais le faire. Puis en plus, ben, c'est valorisant, tu sais, tu fais ça, puis tu t'amuses en même temps, c'est un passe-temps, puis
ça tresse, puis ça fait des beaux cadeaux aussi. Donc, je me perds dans qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que c'est ça. Fait que j'avais acheté la laine de bambou. Puis, cette journée-là, j'avais acheté aussi, je pense, c'était bambou mérino pour me faire des bas. En bambou, je n'avais pas tant aimé parce que je ne connaissais pas ça. Fait que là, j'avais tricoté ça, moi, pour l'hiver. Mais la laine de bambou, l'hiver, là, je me suis rendu compte, ça vaut pas grand-chose, ça tient pas vraiment chaud. Mais c'est après que j'ai su qu'on avait des laines d'été et des laines d'hiver. Donc, quand j'ai commandé ma laine, j'ai dit, ben, qu'un de la soie, c'est bon pour l'été. Là, j'avais lu à quelque part que la soie, c'était parfait comme laine d'été, à part le lin, là, on s'entend. Fait que j'ai recommandé pour l'essayer Mérino soie. J'ai hâte de voir si je vais avoir chaud, si ça va faire plus un chandail de printemps pour les petites journées un peu plus fraîches, ou si je vais être capable de le tolérer avec entre guillemets, ma ménopause, là. Si je vais être capable de le tolérer en manches courtes durant l'été. Donc, je vous montre mon chandail tout de suite. Mon heurtoir meurti. Ta-da-da! Fait qu'on voit les petits cœurs, les petites torsades. Après ça, on descend avec la rangée d'augmentation et de texture. On arrive avec les bobules, la rangée de côtes brisées qui se poursuit sur les manches ici. J'ai fait un petit peu de. J'ai pas alterné les écheveaux ici, là. Fait que ça l'a comme poulé, juste pour dire, sur le bout de mes manches. Sur le bout de l'autre manche aussi. C'est pas plus grave que ça. C'est ça qui est beau, les variations. Moi, je trouve ça super beau. Ensuite, j'ai mon jeu de petits trou-trous. Fait que c'est mon heurtoir meurti. Fait que comme que je disais, là, il est encore humide en dessous. Il est encore humide un peu en dessous. Puis ici, là, j'ai tapoché quelque chose. Là, comme je vous disais, là, les 6-8 mailles ici, là. Que j'ai repris rien que d'une shot, je trouvais que c'était pas beau, fait que j'ai passé un petit fil pour camoufler. La prochaine fois, je saurai quoi faire. Mon montage tubulaire, que c'était la première fois que je faisais, que je suis pas mal fière. Il veut pas. Puis j'ai fait la fermeture en rabat tubulaire aussi. Pas si on le voit bien. Le rabat tubulaire. Fait que c'est ça. Tadam! Ensuite, je ne l'ai pas avec moi, mais tout le monde le connaît. J'ai acheté, je vous avais dit, je pense, la semaine passée que j'avais acheté le petit kit bleu et le petit kit rouge de Chiaogo. Je les adore, là, je les adore. Mais j'ai fait encore un. Colin, j'ai encore fait une erreur de débutante. Ben, de débutante. C'est une expression par chez nous, là, une erreur d'apprenti, là. Je me suis pas méfiée. J'ai reçu mes petites broches, puis j'étais toute contente. Puis j'avais commencé ces bas-là. Je vous les avais montrés, là. Je les avais commencés là, 3 semaines à peu près. Ah oui, là, quasiment un mois. Que je les avais commencés, puis je les faisais en Magic Loop. J'ai fait un Magic Loop, puis là, ben, j'avais décidé d'expérimenter le grafting, puis j'avais décidé d'expérimenter les talons après coup. Puis finalement, ben là, tandis que je suis là, ben, le talon après coup, je l'ai fait essayer à ma fille hier, puis elle n'aime pas ce talon-là. Puis je trouve qu'il est trop comme. Il poche en arrière ici. Peut-être que j'ai trop laissé de maille ici. J'ai peut-être trop laissé de maille ici, puis en tout cas, il bec un petit peu comme ça, c'est la fin. Mais moi, je le trouve super beau, là. Je pense que je l'ai bien réussi. Sauf que c'est ça l'histoire. J'ai peut-être, je pense, j'avais laissé comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'ai laissé 10 mailles. J'aurais peut-être dû arrêter, mettons, à 12 mailles à la place de descendre jusqu'à 10. En tout cas,
je vais l'adapter, puis à un moment donné, je vais le faire comme du monde, là. Puis j'aime pas le... Qu'est-ce que ça donne ici, là? J'aime pas ça. J'aime mieux les rangs raccourcis comme les bas que j'ai fait pour le test de Mathilde. Je me souviens même pas le nom encore, là, que je suis mal préparée. Je vous promets, je vais m'habituer. Je vais m'habituer, je vous le promets. Je vais être mieux préparée ça la prochaine fois. Donc, j'aime mieux les rangs raccourcis avec la double maille là, quand tu changes de rang. Là. Je ne serais pas capable de dire le nom. J'aime mieux cette finition-là. Dans le pire des cas, ben, j'en reviendrai avec mon fameux talon double talon renforcé. Donc, c'est ça. Fait que la dernière heure de débutante que j'ai faite, ça c'est correct, ça c'était mon expérimentation. J'ai fait mon bas jusque-là. Puis là, moi, je trouvais ça beau. Je n'aimais pas faire les côtes 1-1. Là, c'est ça, c'est la logique de mon bas, là, parce qu'il y en a vécu là, des histoires, ce bas-là. J'ai monté mon bas, puis là, quand je suis rendue là, j'ai dit, ah, les côtes 1-1, quand que je les ferme, parce que je faisais un petit rabat à l'italienne, là, tu rentres 2, tu sors 1, tu rentres 2, tu sors 1, à l'aiguille, puis je trouvais qu'il faisait comme chou-fleur, comme ça. Un peu comme ça, là. Moins pire quand je fais des côtes 2-2. Fait que j'ai dit, ah, c'est vrai qu'en côte 1-1, en côte 1-1, ça fait un petit peu chou-fleur, fait que je vais le faire en côte 2-2. Ça va faire un petit affaire chou-fleur, mais c'est moins pire qu'en côte 1-1. Fait que là, je l'ai fait en côte 2-2. Après ça, j'ai fini mon earthworm tea. Puis là, j'ai connu c'était quoi le rabattage. moutadine. Pardon. Le rabattage élastique, le rabattage tubulaire. Fait que sur mon earthworm tea, j'avais fait le montage tubulaire, puis j'avais fait le rabattage tubulaire. Mais le rabattage tubulaire, il se fait sur les côtes 1-1. Moi, j'avais pas vu ça. Fait que là, j'ai dit, j'avais terminé mon bas. Fait que là, je me suis dit, oh, Colin. Finalement, j'aurais dû le faire en côte 1-1. J'aurais pu faire un rabattage tubulaire, puis il aurait été beau, ça aurait été propre. Fait que, bon, ben, coudonc, je t'ai rendu peut-être ici, là, mes côtes t'ont commencé. Fait que j'ai fini mes côtes, j'ai fait la fermeture. Après ça, je me suis rendu compte de le rabattage tubulaire, comment que c'est joli. Là, je me l'ai trop tard, là, sont faites. Fait que là, j'ai dit, qu'un. Ça y est, je vais les serrer. Il me reste un talon après coup à faire, que j'avais fait laisser la fameuse petite laine là, de couleur pour la rouvrir comme le procédé des mitaines. J'avais fait une petite ligne noire ici. Il me reste un qu'à la défaufiler pour récupérer les mailles puis faire mon talon après coup. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, Colin, je vais les mettre ensemble. J'ai fait essayer à Frédéric. Frédéric, elle l'a essayé. Elle disait qu'il était trop grand. Fait que j'ai dit, bon, ben, coudonc, je vais les serrer, mais que j'aie une chance, ben, je les donnerai peut-être en cadeau, mais que j'aie une chance, je ferai le talon sur l'autre. Mais en les mettant de même pour les serrer, l'erreur de débutante que j'ai faite, je sais pas si vous le voyez, je dis, ben, voyons donc, mes côtes sont là. Parce que j'avais commencé en Magic Loop, puis là, j'étais tellement curieuse d'essayer mes mini circulaires. Que j'étais rendue là, là. La curiosité, mon chum, il rit de moi en maudit avec ça, là. Fait que la curiosité de mettre les deux bas séparés sur des broches circulaires, des mini-circulaires, j'ai tout démanché ça, je les ai sweepés sur les mini-circulaires, puis là, je me suis pratiquée, voir quelle main que j'étais plus confortable avec la longue ou la courte. Puis l'erreur de débutante que j'ai faite, j'ai pas regardé si les aiguilles étaient dans le bon trou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pogné l'aiguille, j'ai dit, ah, c'est une 2 sauté 15, sors la 2 sauté 15, sors la 2 sauté 15, bling, 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 bling. Puis je suis partie avec ça. Sauf que je ne sais pas si à l'usine ou il était inversé de pochette. Puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que je me ramasse avec. Hey, ça paraît là. Attendez un petit peu, là, je vais vous montrer ça.
J'ai compté les mailles, j'ai mis trop de mailles sur un bord ou sur l'autre. J'ai tout ça de trop. Ça me donne tout ça, là. Là, je ça n'a pas de bon sens. Là, j'étais découragée. Il y a pas de... Là, j'étais découragée, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais les défaire. Là, je les aime plus. Je les aime plus. Là, ça me fait deux paires de bas à défaire. Mes bas que j'ai fait un flop sur quand j'ai appris à faire le talon après coup, que j'ai réussi sur celle-là. Ben, j'ai toujours fait les talons doubles renforcés. Puis là, je me suis dit, ben c'est le temps que tu apprennes d'autres choses. Puis à la place de faire des bas vanille, qu'à un moment donné, tu changes. Là. Fait que je vais avoir ceux-là à défaire et à récupérer la laine. Puis je pense que même s'ils sont rendus ou ce qu'ils sont rendus là, je vais les défaire puis je vais les recommencer. J'ai même pensé, gars, je vais récupérer la laine puis je vais faire des mitaines avec. Peut-être des mitaines. Ou peut-être d'autres bas. Je sais pas. Fait que pour les bas, c'est ça, je vais les défaire. Je suis en décision. Je vais voir, je sais pas encore. Je sais pas. Ça serait malheureux de défaire tout ça. C'est plusieurs heures de travail. Le talon, il se défait bien. Les côtes, ça se reprend bien. Ouais. Je vais voir. Je vais le mettre de côté, je vais voir. Ensuite, mon fameux chandail zipper sweater qui est fait, je pense, c'est peut-être pas loin de 30 heures de route depuis les fêtes. Aller-retour en Gaspésie, aller-retour à Pocatière, dans Kamouraska. Il s'est promené, c'est un temps riche, là. Fait que je l'ai ressorti. Là, ça m'a donné un petit coup de « Ouh! » J'ai fini un chandail, ça me prend quelque chose sur mes broches, puis ça presse. Sauf que je sais pas quoi faire. C'est ça, mon chandail que j'ai fait, je sais pas combien d'heures de route avec. J'ai décidé que j'y arrêtais de bouder. Il est quasiment fini. Il me reste 5 les côtes, c'est manches à faire. J'espère que j'ai pas fait la même erreur de débutant. J'étais pressée de les mettre sur les mini-circulaires. J'espère que j'ai pas fait la même gaffe, là. Ça semble bien correct, en tout cas. Fait que je les ai envoyés sur les mini-circulaires. Puis, j'étais prête à faire les côtes du bas de chandail. Comme que je vous disais, je l'ai déjaugé pas mal, hein? Ah oui, je l'ai déjaugé. C'est peut-être pour ça que je le boudais tant, là. De un, j'avais peur du zipper. Puis de deux, je voyais que... Il était déjaugé, mais c'est pas pire, parce que si j'envoie ma main de même dedans, là, voyez-vous la couleur, on voit pas tant, on voit pas la chair, à moins que je fasse ça, là. Tu sais, c'est sûr que je le porterai pas étiré de même, mais comme ça, là, il est pas pire. Vous voyez mes couleurs en même temps, hein? Il y a une petite variation de couleur, elle n'est pas solide, mais moi j'aime ça de même. Ça fait vivant, puis c'est parfait comme ça. Fait que, il m'a intimidé à cause du zipper, parce que j'avais vu que peut-être que le collet allait être un petit peu plus rêche ici, plus raide, je sais pas. J'ai pas commandé le zipper sur petite knit. Je voudrais pas commander... Passer une commande, comme je disais tantôt, là, faire attention aux achats qu'on fait. C'est quand même l'autre bord du continent. Ben, pas du continent, là, mais sur un autre continent. Fait que je voudrais pas faire prendre l'avion à un zipper pour qu'il s'en vienne sur mon chandail. Fait que je pense que je devrais être bonne pour trouver ça dans le coin ici. Là. Un chandail qui est quand même assez souple pour aller... un chandail... Un zipper qui est quand même assez souple pour aller sur mon chandail. Peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, quand j'aurai, je sais pas si ça va arriver un jour, là, quand j'aurai un budget plus conséquent, ben je commanderai peut-être plus conséquemment sur petite knit, mais pour l'instant, non. J'ai un zipper ici, je ne l'ai pas sorti, j'ai un zipper ici que je pense qu'il va faire l'affaire. Sinon, ben, je vais en commander un sur Amazon en même temps que d'autres choses. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui,
Je devrais avoir terminé dans pas long là, mon chandail, probablement. Peut-être pas à soir, mais pas loin. En fin de semaine, ma chum me demandait de faire des bas de culotte. Fait que je vais faire de la couture en fin de semaine parce qu'on n'a rien de prévu. Fait que je vais sortir la machine à coudre pour faire les bas de pantalon. Ça va être la fin de semaine de bas de pantalon, là. Je dois avoir 5 ou 6 paires de bas de pantalon à faire, incluant celle de mon chum puis celle de mon ami. Ça serait le fun que je passe mon chandail, que je pose le zipper sur mon chandail en même temps, là. Ouais. Je vais essayer de faire ça en fin de semaine, puis je vais vous en revenir là-dessus, puis on va probablement faire le close du vlog suite au posage de mon zipper. Excusez-moi, il y avait une notification en même temps, puis on a tous le même réflexe de vouloir voir c'était quoi qui était. C'est quoi qui est passé là? C'était quelque chose que j'avais pas vu encore une pub, j'imagine. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous en reviens dans quelques temps, peut-être 2-3 jours avec la suite des choses. Puis je vous oublie pas, je vais vous mettre la vidéo avec les petits moineaux depuis tantôt que je les vois du coin de l'œil passer. Fait que, à plus! De ma journée, 6 paires de bas de culottes, non 6, ouais, j'ai fait 3 paires de bas de culottes pour mon chum, pour ses culottes de travail, j'ai cousu un bouton, puis j'ai fait 3 paires de pantalons pour mon ami. Donc, je suis pas une professionnelle dans la couture, là, fait que c'était juste un petit clin d'œil. Pas de passe-table, un petit clin d'œil comme ça en passant pour la routine. La routine, une fois par 6 mois, mettons 5-6 mois, ben je me fais une corvée de couture sur les bas de culotte. Sur les bas de culotte. Fait que j'ai cousu les 3 bas de culotte puis un bouton. 6 bas de culotte puis un bouton pour aujourd'hui. Fait que je m'en vais continuer de tricoter sur mon projet en cours. Je vous en reviens là-dessus dans quelques jours. Fait après hier matin que je me suis fait réveiller par des rénaux à la maison, ben ce matin, il faut que je me fasse des tours sur le barbecue parce qu'on a manqué d'électricité. Fait que je me suis mis une petite chaudière d'eau à bouillir là, faire mon café. Mes tours s'en viennent tranquillement, pas vite. C'est ça la vie. J'appelle le barbecue. Aujourd'hui, le 22 avril, donc je viens closer mon vlog. Je m'excuse, j'ai négligé de venir avant parce que là, ça fait quasiment un mois et demi que je traîne en longueur pour le retour puis la suite des choses. Donc, j'ai pas eu le temps avant. C'est la négligence. J'ai pas eu le temps avant, j'avais négligé. Fatigue, travail, voyage, tout le. Tu sais, à toutes les semaines, il y avait un petit quelque chose. Ah, ben, je le ferai en fin de semaine prochaine. Ah, ben, je reviendrai aussitôt que j'ai une chance. Ah, ben, mais que j'ai une heure, je le ferai. Puis finalement, ben, j'ai pas eu le temps avant. Puis je trouvais que j'avais pas un contenu assez adéquat pour venir vous présenter mes choses. Puis ça me gênait un peu. Puis après ça, ben je me suis dit, ben gars, faut bien que je close mon vlog. Là. Je commence à voir mes abonnés dégringoler. En passant, si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous encourage à continuer à partager si le moindrement que qu'est-ce qu'on dit est intéressant.
Donc, moi, ça me fait juste plaisir de voir mes abonnés monter. Puis, les commentaires aussi, c'est important. Ça nous aide, un, à nous améliorer. Ça nous aide à avoir, à tâter ou à palper le goût de chacun, chacune. Si vous avez des suggestions sur des idées de patrons ou ben non, si vous avez des conseils judicieux à donner, c'est toujours donnant, donnant, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir de le recevoir. Moi, ça me fait plaisir de le recevoir, puis je suis bien ouvert avec tout ça. Je m'excuse, je parle vite encore. Je parle vite encore, puis je suis encore pognée des bronches, là, le pollen commence à sortir, fait que je fatigue un petit peu plus. Donc, comme que je disais, ça nous fait plaisir de recevoir les commentaires, puis les affaires constructives. C'est ici que je vais remercier encore Malolial qui m'avait offert le patron de mon chandail ici et d'une générosité extraordinaire. T'as un cœur en or, ma chère. T'as un cœur en or. Puis moi, je ne suis pas habituée dans ma vie de recevoir comme ça. Je ne suis pas habituée à ça. Un gros merci, puis fais plus ça. Fais plus ça, OK? S'il te plaît, fais-les plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malolia, elle m'a offert le Alpine Bloom de Caitlin Hunter, puis elle m'a offert le chandail voyage de, je pense, c'est Caitlin Hunter aussi, pour passer mes balances de laine, puis. Je suis super contente, puis c'est probablement sûr et certain que je vais le faire dans le temps plus tard cet automne. Fait que merci. Merci beaucoup. Donc, je suis rendue à vous dire qu'est-ce que je porte. Justement, le patron que Malolial m'avait offert. Je vais le dire encore. Je vais le dire encore le nom. C'est le Earthwarmer Tee. Pas le sweater, j'ai dû le dire au moins 150 fois pendant cette vidéo-là, le nom de chandail. Fait que s'il vous a pas rentré dans la tête, je sais pas pourquoi. Je l'ai terminé, moi je l'adore. Je suis super bien dedans, c'est pas chaud, c'est un mélange de mérino soie. 50% mérino, 50% soie que j'avais teindu dans les tons de rose, que je voulais un rose un petit peu plus pâle, puis ça a sorti un rose gomme ballon. Je l'aime, je le porte beaucoup régulièrement. J'ai pas plus chaud avec ou plus froid. Et même, je dirais qu'il est, il est assez frais. Il est assez frais. Si tu marches vite, là, avec tous mes petits trous que j'ai ici, là. Ça, c'est mes écouteurs, là. Si tu marches vite avec l'air à rampe, puis ça te fait une prise d'air assez, assez surprenante quand c'est pas chaud, là. C'est un chandail d'été. C'est vraiment un chandail d'été, puis j'adore le porter puis le tomber du chandail. Mon seul regret, comme qu'on dit, je connais pas la laine, fait que le drapé de la laine n'est pas pareil pour chaque chose. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le drapé du 50% mérino, 50% soie. C'est un drapé qui est quand même assez, t'sais, assez mou. Je l'ai peut-être fait grand un peu. J'aurais peut-être dû tenir compte, pas dû. J'aurais peut-être dû tenir compte du drapé, mais vu que je connaissais pas ça, j'ai fait une grandeur comme si ça serait une laine ordinaire, puis ça l'a tombé. Je trouve qu'au porté, il étiraille pas, là. Il étiraille pas, mais je le trouve grand un peu. Pour montrer un exemple, ça, c'est de la mérino nylon. Voyez-vous, la balle, elle se tient. Fait que si je l'aurais faite en mérino nylon, il n'y aurait pas eu ce drapé-là. Ça, c'est mon mérino soie. Fait que c'est une laine qui est molle. Lui, il se tient, puis ça, c'est une laine qui est molle. Fait que c'est ça. Si j'aurais fait mon chandail en mérino soie, la laine à chaussettes, là, pas mérino soie, mérino nylon, ça l'aurait pas fait le même plombé que ça, ici. Fait que ça l'explique le comment du pourquoi. Fait que j'imagine que, vu que lui, il a comme un plombé, le chandail, ben, il s'étiraille, puis qu'est-ce que ça donne?
Puis là, je suis contente parce qu'il me reste, ça prend moins de laine. Il me reste, je pense, 5 ou 6 balles de ceux-là pour atteindre peut-être une petite camisole ma prochaine. Je suis en décision qu'est-ce que je vais faire avec. Pas couleur naturelle, mais je vais atteindre. J'avais pensé à un petit gris peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'est mon regret que j'avais sur mon Earthworm Earthy. L'autre chose, j'avais fait le collet. J'avais monté le collet en montage tubulaire. Un montage provisoire tubulaire. Puis, ça l'avait donné extraordinairement grand. Il descendait comme ça, puis dans le dos, il pochait. Il descendait là, aussi, autant que ça, là. Fait qu'est-ce que j'ai fait, vu que c'était un montage tubulaire, j'ai pris la mesure de mon tour de tête, puis j'ai juste passé un fil. Tu sais, il étire pas, là. Il est vraiment rigide, là. Ça étirera pas plus que ça, parce que le plombé du chandail, fait que j'ai mis vraiment une corde. J'ai même mon petit bout de corde qui dépasse ici, là. Mais coudonc, c'est de même qu'il va se porter, c'est comme ça qu'il va se porter. J'ai manqué l'art d'effet, puis mon mari, il dit « art d'effet, pas ça ». Je le porte comme ça, puis il se tient très bien là-dessus. Fait que c'est ça mon seul et unique regret de ce chandail-là, c'est de l'avoir peut-être fait le montage tubulaire un peu trop grand, puis d'avoir fait le chandail. J'aurais pu faire une taille, sinon deux tailles plus petites. Il aurait pu cintrer un petit peu plus, en tout cas. Puis là, ma job, ben, mes amis, ils l'aiment beaucoup. Puis là, ils sont tout le temps après me flatter les bouboules. Ils sont tout le temps après poigner puis jouer après mes petites bouboules, puis ça me fait bien rire. Ça, c'est à part le commentaire que j'ai eu aussi. Je sais pas pourquoi qu'il y a des gens qui font ça, mais en tout cas, j'ai eu. Ça, je l'ai porté deux. Ben non, je l'ai porté au moins 4 fois ma job, puis. Je me suis rendu compte, imaginez-vous donc, que je suis sensible aux commentaires. Puis ça me décourage des fois, puis je me dis, Colin, hein? Encore une collègue de travail, mais pas la même. Fait que je suis après travailler, puis je la vois arriver au loin, puis elle me dit, oh mon Dieu, Sylvie, t'es donc bien belle aujourd'hui. On dirait un petit coco de Pâques. Colin, que j'ai de la misère avec des commentaires comme ça. J'ai vraiment de la misère avec des commentaires comme ça parce que je me pose la question, est-ce que je t'ai préféré rire de moi ou, tu sais, on s'en fout pas, ça m'a atteint. Je me suis dit, ben Colin, j'ai-tu de l'air d'un coco de Pâques, là? Fait que ça reste comme ça. 2 semaines plus tard, je remets mon chandail, je pars, c'est un chandail-là, là. Je pars, je m'en vais travailler. La même chose, la même personne. Elle arrive encore, puis elle me dit oh, t'as mon petit coco de Pâques aujourd'hui. Je sais pas quoi penser de ça. Sérieux, je sais pas quoi penser. On dirait que ça me porte à être gênée, ça me porte à être gênée de porter qu'est-ce qui est fait main. C'est peut-être moi qui n'ai pas dedans, là. S'il y a quelque chose, là, dites-moi-le, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir l'air folle pour aller travailler, là, non plus, là. Tu sais, je travaille dans le public quand même, là. Fait que c'était mon petit don de la journée. C'est passé, on passe à autre chose. C'est comme l'autre qui m'avait fait un commentaire. Ah, t'as mis ton chandail de Noël? Tu sais, j'avais mis, c'était quel chandail j'avais mis, donc? Ah oui, c'est un chandail que j'avais acheté chez Costco, puis il y avait un dessin là, en yoke ici. Puis quand je l'avais mis, elle m'avait dit ah, oh, t'as mis où tu vas un matin avec ton. Où est-ce que tu vas ce matin avec ton chandail de Noël? Je l'ai jamais remis. Fait que ça, je l'avais dit dans d'autres vidéos, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est oublié, on tourne la page, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de certains commentaires comme ça. Donc, c'est tout qu'est-ce qu'il y en a pour mon Earthwarmer Tea. J'ai encore dit le nom une maudite de fois. Je ne le dirai plus. C'est à moins que vous me posiez la question. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Parce que je l'ai tellement dit. C'est ça. Fait que là, j'ai fait la laine. J'ai fait ça.
J'ai commandé les aiguilles Shiaogu pour faire les manches de mes chandails, les shorties, le kit bleu, puis le kit rouge. Le kit bleu, il est parfait pour faire les manches. Je ne le regrette pas, pantoute, pantoute, pantoute. Sur les manches, je ne sais pas pourquoi. De un, ça ne fait pas la fameuse petite ligne de démarcation parce que tu tricotes en rond. Puis la grosseur de l'aiguille est très potable, c'est parfait. Sauf que pour les chaussettes, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. J'ai commencé pour me pratiquer. J'ai essayé de me pratiquer parce que moi, je tricote, je passe à l'anglaise avec passer le fil avec ma main droite. Puis j'ai essayé de tricoter le même procédé que je fais comme que je fais d'habitude, de tricoter avec. J'ai pas mon fil à la bonne place. Mais en tout cas, tricoter comme ça, là, en tournant. Puis sur les mini circulaires, je vous dirais que c'est pas vraiment l'évident. C'est pas vraiment l'idéal. C'est pas vraiment l'idéal de lâcher l'aiguille pour le repogner parce qu'elle est tellement courte ici. J'ai essayé avec la longue de cette main-là. Elle est tellement. Pas pour tricoter une journée de temps. C'est pas pour tricoter une journée de temps. Peut-être en voyage ou en marchant, comme qu'il y en a qui font. Mais ma méthode à moi est pas idéale pour tricoter. T'as pas assez long pour pogner ici. Puis même si je mets celle-là qui est un petit peu plus longue pour pogner ici, je la manque. Je trouve que je tricote beaucoup moins rapidement comme ça. Mais c'est parfait pour l'auto, là. Je tricote pas mal moins rapidement, puis à quelque part, je le regrette un peu. À quelque part, je le regrette un peu. On verra. Pour les bas, c'est sûr que je ne prendrai pas les mini circulaires pour des bas, à moins que ce soit pour un chandail. Là, je vais être super contente d'avoir cette grosseur de broche-là pour faire les manches. Ça va être l'idéal. Ou pour un petit projet, mettons un petit chapeau de bébé ou la manche. Même pas une manche de bébé, oui, ça pourrait faire. Là, je les prendrais. Sinon, pour faire les bas, ben, comme j'ai dit, je trouve ça trop long, faire un bas à la fois. Ma méthode préférée pour les bas reste encore le Magic Loop. C'est confirmé, je n'en reviendrai pas en arrière là-dessus, c'est vraiment avec du Magic Loop. Fait que pour l'essayer, j'ai monté tout ça avec une balance de laine qui va aller dans ma couverture de reste. Pour me pratiquer à essayer d'aller plus vite en essayant la méthode. C'est quoi le nom de la méthode? Je ne sais pas, de cette main-là. Je suis capable de le faire, mais on dirait que je suis plus crispée. Je cherche à serrer la main, puis ça me donne mal ici. Je cherche à serrer plus pour aller attraper le fil, puis elle me donne vraiment mal dans cette main-là. Donc, on ne change pas de formule. Oh, j'ai échappé de moi, ce n'est pas plus grave que ça. Ça va dans ma couverture de reste, la balance. Non, ce n'est pas bon pour moi, les mini. Pour cette raison-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-là? J'ai terminé mon zipper sweater de petite knit. Je me suis étirée de bois. Mon zipper sweater de petite knit, il est terminé. Puis là, mon chum, il me disait. Fallait un petit peu plus long, là. Fais pas comme ton prêt-à-tirer-bonne, là. Fallait un petit peu plus long. Tu trouves qu'il est pas assez long, ton prêt-à-tirer-bonne. Effectivement, mon prêt-à-tirer-bonne, je trouve que. Je dis ribonne, là. C'est mon accent, là. Ribon, ben, ribonne. Je trouve que les manches ont une petite affaire courte. Il me restait un petit peu de bleu. Ça se peut que je les rallonge éventuellement. Puis, il est pas. Il est juste. Il est limite trop court. Mais non, il est correct. Il est correct. C'est moi qui porte peut-être mes chandails trop longs. Fait que mon mari me disait, ben, tu sais, là, tu tires tout le temps dessus parce que j'ai une manie, c'est une mauvaise habitude, je tire tout le temps sur mes chandails vers le bas. C'est plus fort que moi. On est habitué à une longueur. Puis ma longueur à moi, c'est vraiment l'os de la cuisse. J'aime que ma bedaine soit cachée. Fait que j'ai tout le temps une tendance à descendre mes chandails et à descendre mes chandails tant qu'ils ne sont pas à cette longueur-là. Donc, mon prêt-à-tirer-bonne, il monte un petit peu plus haut, mais pas une tonne. Peut-être ça un petit peu. Là. Il n'a pas manqué grand-chose, peut-être ça. Puis, j'ai une tendance
Alors, descendre tout le temps, puis il dit que c'est une mauvaise habitude. Donc, là, je tricotais sur mon zipper sweater, puis il me disait, fais les plus longs, ceux-là, là, tu le sais, là. Fait que je l'ai fait plus long, puis mon zipper sweater, il est en chaque laine est différente, puis là, je l'apprends tabarouette, puis c'est peut-être pour ça que j'ai pogné pas déprime, mais de découragement. Elle agit différemment. Celle-là, elle a plombé, elle a comme plus tombé. Tandis que celle-là, elle se tient quand même. Je l'ai déjaugée pas mal, là. J'ai joué à la roulette russe, comme j'avais dit. Je l'ai déjaugée peut-être un petit peu trop. Puis je l'ai faite trop long. Un coup lavé, il était parfait, puis un coup lavé, il est tombé. Je mens pas, là, ça trop long. Je vais vous l'enfiler après, je vais vous mettre une vidéo du porté, cette-là. Il est vraiment trop long. Je vais enlever facilement là, ça. Facile, 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 ça. Fait que, mais les manches sont parfaites. La couleur, c'est pas pire. La transparence, c'est sûr qu'il y a quand même une transparence, mais comme que j'avais dit, c'est vraiment transparent, là. Mais au porté, là, voyez-vous, là, si je tire pas dessus, c'est sûr que si je tire dessus, on voit au travers, mais quand que je tire pas dessus, on voit pas tant, là. Fait que c'est un chandail que je vais porter avec toujours un chandail en dessous, soit un manche courte ou un manche longue, probablement noir, que je vais dédier puis porter avec parce que, comme vous savez, je suis en ménopause puis j'ai très, très, très chaud ou très, très, très froid. Fait que dans le festival, mets une couche, enlève une couche, mets une couche, enlève une couche. Pas la couche, là, mais une couche. Là, dans le festival, j'ai trop chaud, j'ai froid, j'ai trop chaud, j'ai froid, mets le chandail, enlève le chandail, mets un chandail plus chaud, on met un autre chandail, mets une camisole. Donc, je me suis dit qu'en déjaugeant ma laine pour faire les couches, justement, que ça allait être plus facile pour moi de supporter mes états d'âme, qui est la chaleur ces temps-ci. Donc, mon zipper sweater de petite knit. On ne voit pas très bien aujourd'hui. Fait que vous allez avoir la vidéo tout en parlant probablement dans le coin, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant. Je vous disais que c'était des périodes pas de déprime, de découragement qui me pognaient parce que j'ai essayé plusieurs techniques de bas. À travers ça, j'ai peut-être un petit peu été, comment qu'on dit, pas bénévole. C'est une bénévole qui me vient en tête, c'est pas bénévole pantoute. Un petit peu câline, enthousiaste. J'ai été un petit peu trop enthousiaste à faire des techniques puis à essayer plein, pas des techniques, à essayer plein de choses, dont mes petites mini circulaires. J'ai parti en grande en essayant d'autres types de bas, en commençant par le haut, finissant par la pointe pour faire du grafting. J'ai essayé 3-4 paires de bas pour le talon depuis Noël. Là. Depuis Noël que je fais des bas puis que je n'ai moppé deux paires. Je n'ai moppé deux paires. La première paire, je l'ai moppé parce que je voulais faire un talon après coup. Je vous les avais montrés. La deuxième paire, j'ai fait. Je ne les ai pas aimées. Je pense que c'était les. Quelle couleur, non? Ah, les bonbons. Ils étaient comme couleur bonbon, là. Puis j'aimais pas le fini du côté du talon. Ensuite, j'avais pas grand-chose à tricoter. Fait que j'avais une petite mini-balle qui me restait de auto-rayante que j'avais pas assez pour faire une paire de bas. Fait que j'ai dit, je vais tricoter là-dessus. Je l'ai envoyé là-dedans. Ça me ralentit ça aussi. Fait que j'ai fait plein de tests qui n'étaient pas concluants, puis ça me freinait beaucoup, beaucoup dans mon élan de créativité. Donc, ça c'était le petit bout de
de déprime. Fait que quand j'ai recommencé à tricoter un petit peu, là, j'ai boudé un peu une semaine ou deux mon tricot. J'avais ma laine que j'avais teindue, ma laine jaune. Avec cette couleur-là, ma couleur jaune paille que j'avais essayé de faire. Ouais, c'est pas mal cette couleur-là que vous voyez. C'est bon. J'avais commencé le Fjeld. J'étais soufflée. Excusez-moi, une minute. Fait que avec cette couleur-là, j'avais commencé le Fjeld. J'ai fait toute la colure. J'ai parti au moins là, tout le pattern de grain. Toute la première série du pattern de grain. Puis je me suis rendu compte que j'arrivais pas dans les augmentations. Je comprends pas trop l'anglais, mais je me suis rendu compte que ça marchait pas. Je l'ai défaite. Je recommençais une deuxième fois. C'est la deuxième fois que je fais un chandail en anglais, là. Mais celui-là est un petit peu plus technique, là, j'imagine. J'arrivais pas dans le nombre de mailles. Puis là, je me suis dit, oh non, je vais arriver encore là, comme trop grand comme celui-là. Ça marche pas mon histoire, donc j'ai dit, Là, je l'ai boudé. Je l'ai mis de côté. Je tricotais 3-4 mailles. Je le remettais de côté, je le déposais. J'ai un mal de poignet atroce en plus, fait que j'ai dit non. Ça marche pas. Puis là, je me disais, je veux pas le continuer. Puis à un moment donné, j'ai obligé tout hâte de faire ça. Fait que ça reste comme ça. J'ai refait un autre bout. J'ai fait peut-être une dizaine de rangs. Puis non, il y a quelque chose qui me freinait, ce chandail-là. Tu sais, quand tu commences quelque chose, puis ça te break, là. Ça breakait. Puis là, j'ai dit, maudit. Je le continue dessus. Là, j'arrivais comme 30. Ah oui, il fait 25-30 mailles de plus de qu'est-ce qui était préconisé pour ma grandeur. Puis je me disais, ça marche pas. Tu peux pas tricher rendu là. Là, je commençais la section des grains plus gros. Où il y a encore des augmentations. Là, j'ai dit non, ça marche pas. Là, je peux pas continuer là-dessus. Ça va être. Non, il y a quelque chose qui arrive. Là, jusqu'à arrêter. Fait que je l'ai mis de côté, je l'ai pas défaite, je l'ai mis de côté, j'ai attendu un peu, puis ma fille Brittany est venue. Puis Brittany, ça fait longtemps qu'elle aime bien ce jaune-là. Fait qu'elle s'en va à côté de ma place où je m'assieds pour tricoter. Puis elle dit, oh maman, elle dit, elle est belle ta laine jaune, c'est mon jaune ça, tu le sais, hein? Genre, ouais. Elle dit, oui, elle dit, tu sais que je l'aime ce jaune-là. Elle dit, tu sais que je l'aime, ce jaune-là. Je dis, ben oui, Britt, c'est son surnom, ma fille. Je dis, ben oui. Fait que, elle dit, tu pourrais me faire quelque chose avec ce jaune-là. Fait que, je pense que j'ai défait, ben pas je pense, j'ai défait le bout de mon fiel que j'avais commencé. Puis, j'ai pas commencé le chandail de ma fille encore. Faudrait, là, elle m'a dit qu'elle voudrait avoir le Fjeld parce que la couleur, elle trouve que c'est vraiment la couleur du Fjeld. Fait que cette couleur de laine-là, c'est pour Brittany. Puis je vais y faire son chandail quand que je vais avoir plus de tête. J'ai pas grand tête, fait que je peux pas faire son chandail tout de suite. Ma tête est vraiment pas là. Donc, je boude pour l'instant. Puis c'est la laine de Fjeld pour le chandail Fjeld de Brittany. Va te le faire. Donc, ça, c'est mon autre en cours que j'ai eu qui m'a retardé tout ce mois et demi-là que j'ai boudé dû à mon mal de poignet, dû à toutes mes tentatives de bois échoués parce que là, je me voyais partir, je voulais commencer mon paquet de bois pour mon année. Ça n'a pas marché. Fait quand j'ai vu ça, j'ai recommencé des bois. Puis là, j'étais en voyage, puis j'ai pas pensé à mon histoire. J'ai pas emmené de bas. J'ai pas emmené de laine à bas. Fait que j'avais rien pour commencer des bas. Sauf j'avais un petit bout de blanc qui me restait dans mon auto pour tricoter. J'ai ramassé de la laine à Brittany.
J'ai ramassé la laine à Brittany, puis j'ai dit, qu'un, je vais faire des bas avec. Fait que j'en avais tendu 4 balles, puis je sais que 3 balles, j'en ai en masse pour faire son chandail. Fait que j'ai dit, je vais prendre à peu près, d'habitude avec les contrastants, je prends 50 grammes à environ pour faire une paire de bas. Fait que j'ai dit, qu'un, je vais prendre 50 grammes, je vais faire une paire de bas jaune. Puis, ils me paraissent comme bruns pour vous, mais c'est plus un jaune brun kaki, c'est dur à dire. Jaune brun kaki. Ouais, plus comme ça. Plus comme ça. Fait que j'ai dit, je vais prendre 50 grammes sur une balle, je vais tricoter des bas. Parce que j'ai rien à faire, puis je veux avoir quelque chose à tricoter. Moi, ça me prend quelque chose pour tricoter. Fait que j'ai dit, je vais faire ma paire de bas. 50 grammes, il va me rester 350 grammes pour faire son chandail. Fait que je devrais m'en sortir quand même, pas pire. Fait que ça, c'est ma deuxième paire de bas. J'ai pas de patron. J'ai pas pris de patron. J'ai monté 64 mailles. J'ai fait mon bout rond, mon fameux bout rond, parce que j'ai les orteils ronds, comme que je disais. Puis j'ai monté. Là, je sais que pour ma grandeur, c'est une cinquantaine de rangs. Comme ça ici. J'ai commencé mon talon à rang raccourci. J'aime bien celui-là. Je ne sais même pas la technique. Là. Je l'ai faite à l'œil. Ça fait des petits trous-trous, par exemple. Bon. Mais je l'aime bien. Je vais voir au porté, là. Au porté, ça, on verra bien. L'autre côté, il fait pas mal la même chose. Donc, j'essaie cette technique-là. Les derniers bas que j'ai faits avec un talon style comme ça, mon autre fille, Frédéric, a dit, ah, elle dit, maman, je préfère, elle dit, tes premiers bas que tu faisais. Puis mes premiers bas que je faisais, c'était le patron générique de bas de Judy quelque chose, Judy Gibson. C'était le patron générique de bas de Judy Gibson avec le talon double renforcé. Fait que je sais pas si c'était parce que le bas était un petit peu plus court ou quoi que ce soit. Elle disait qu'elle était pas confortable dedans autant que le bas avec le talon double. Donc, je réessaye avec ces bas-là. Ensuite, après le porté, c'est là que je vais décider si je vais garder ma formule de bas que j'avais au début ou si je peux changer au gré de mes fantaisies. Donc, ça, c'était mais toujours en méthode Magic Loop, deux bas en même temps. Je ne me casse pas le pompon, je n'ai pas le syndrome du deuxième bas. Là, je suis rendue à mon talon, fait que j'ai un talon de montée, je suis rendue à mon deuxième talon. Les deux autres paires de bas que j'avais faites, je ne les ai pas continuées parce que justement, je n'aimais pas les talons. Puis, j'ai mis les petits bouts que j'avais comme ça de côté. Ça va passer dans ma couverture de reste qui m'amène à la suite des choses. La suite des choses, vu que j'étais en mode boudage de tricot puis que j'ai pas de cerveau ou si peu de zéro cerveau, puis j'ai pas grand temps, je me suis lâchée dans ma couverture de reste. Donc, j'ai sorti mes petites bouts de laine acrylique. Puis, je me suis remis à tricoter ma couverture. Ah, malheureusement, pour vous autres, vous ne pourrez pas l'avoir complètement ouverte parce que j'ai arrêté ça en plein milieu d'un rang. Mon mari est parti sur le dentiste. Puis, j'ai dit, qu'un, j'ai à peu près 1 heure pour aller filmer avant qu'il revienne. Après ça, je pars ma batch de pain. Fait que j'ai dit, qu'un, j'arrête là, puis je commence ma vidéo. Fait que j'avais mis un anneau marqueur où ce que j'étais rendue la dernière fois que je vous l'avais montré. Fait que j'ai tricoté tout ça. Peut-être. Oh oui, quasiment une vingtaine de. Bon, plus qu'une vingtaine de rangs. Plus qu'une vingtaine de rangs depuis la dernière fois qu'on s'est vus. J'avais trop de balles de laine qui traînaient, puis j'avais pas d'inspiration. Je vais appeler ça d'inspiration. J'avais pas d'inspiration ou de. Pas de vouloir. J'avais pas d'inspiration pour tricoter. Ça venait pas. Je commençais à tricoter 4-5 mailles, pouf, je déposais, trop mal au poignet, dépose. J'avais pas le temps. J'avais trop de choses à faire, puis j'avais pas le temps.
Fait que c'était mon encours, mes encours du moment. C'est ça. Fait que là, la prochaine fois que je vais venir vous voir, ça va probablement être quand que je vais avoir réparé mon... Réparé. C'est pas une réparation, là. Mon zipper sweater. Ah oui, j'avais fait aussi... Est-ce que vous voyez ça, là? J'ai fait la fermeture à l'italienne. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être sauté une étape, là. Ça étire pas pantoute. Pantoute, pantoute. Fait que de un, je l'ai fait beaucoup trop long. Puis de deux, il étire pas. Fait que j'ai pas le choix de le réparer. Fait que je vais y enlever ça facile. Fait que quand je vais revenir, lui, il va être réparé. Là, j'aurai pas le choix de le faire parce que je vous l'ai dit. Fait que lui, il va être réparé. Puis, je peux pas vous dire qu'est-ce que je vais commencer d'autre. Je vais terminer au moins là, mes petits bas ici. Puis, qu'est-ce que je vais commencer d'autre, je sais pas. Ensuite, je tombe en vacances le 20... Non, le 18 mai. Yeah! Fait que vous allez probablement avoir un vlog, un blog, un podcast à ma roulotte. Parce que le 18 mai, je m'en vais là. Je m'en vais voir ma maman en Gaspésie. Fait que je m'en vais en Gaspésie pour 10 jours. Fait que je vais probablement commencer mon vlog tranquillement, pas vite. Pour le finir puis le clôturer rendu là-bas le 18 mai. Fait que je devrais venir vous voir la dernière semaine de mai sur mon inspiration du moment. Le plan de match au mois de mai, je m'en vais rejoindre ma cousine aussi. Je vais voir ma maman, mon papa. Puis je vais aller voir ma cousine. Elle veut qu'on se commande encore de la laine. On va probablement se faire un autre petit virée de teindage de laine. Teinturage. On sort nos noms. Des mots bizarres, teinturage de laine. Fait qu'on va probablement se faire ça. On va changer de laine. J'avais commandé beaucoup de Mérino Nylon, Superwash. J'avais commandé la dernière fois du Yak Nylon. Puis j'ai commandé ça, là, 50% Mérino, 50% soie. Les prochains, ça va probablement être d'autres bases que je vais tester sur la teinture puis sur le porté. Ça va probablement être du non superwash. Probablement, sûrement. Puis je vais peut-être me commander un peu de Suri aussi. Parce que je veux essayer. Je recommence dans mes vouloirs, là, dans mes envies. Je vais essayer de faire le cumulus blues. Fait que je vais le faire probablement avec un fingering tenu en double avec un souris. C'est mon futur projet. Je vais commencer probablement mes tricots d'automne pour arriver à l'automne puis avoir mes tricots d'automne. À moins que je me fasse un petit tricot d'été entre-temps avec ma soie. Donc, ça pour ça. Ensuite, ben, comme toujours, à la fin, comme toujours, comme que j'ai décidé au dernier vlog, à la fin de ce vlog-ci, je vais vous mettre quelques petits extraits de commentaires qui me fait extrêmement plaisir à recevoir. Merci, gang. Vous êtes toutes des perles. Vous êtes toutes des perles, puis c'est grâce à vous autres si je viens, parce que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, puis ça fait du bien de voir que on parle pas dans le vide, puis que au moins, ben, les petits trucs ou les petites mésaventures qu'on a, ben, sont compris par d'autres personnes qui partagent la même passion que nous autres. Fait que c'était ça qui est ça. Je vous laisse sur quelques images de qu'est-ce que j'ai gagné. J'ai eu la belle surprise de gagner un prix, un addon. Je suis arrivée un matin, ça c'est mon anecdote, OK? Je vous ai dit aussi que je vous mettrais une anecdote à toutes les vidéos. Fait que mon anecdote, j'en avais mis une un petit peu plus proche, que j'avais manqué d'électricité, puis j'ai été obligée de faire des toasts au barbecue. La deuxième, en un mois, ben, j'ai participé à un concours pour gagner 10 livres de crabe. J'ai gagné. J'ai gagné 10 livres de crabe. Fait que j'ai tout décortiqué ça, j'ai tout travaillé ça, puis j'ai tout scellé ça sous vide, prête pour la prochaine hiver.
Donc, je vous mets un petit bouton de même de mon prix que j'ai gagné. Je suis trop contente. Mais je vous remercie beaucoup là-dessus. Je vous laisse. On se revoit dans un mois. Bonne journée à vous. Bye. Tu-tu-tu. Il y a au moins un, deux. J'en ai passé deux, trois, quatre, cinq, six. Quasiment une dizaine d'écrans partout. D'après moi. Deux, trois. Ah oui, facile dizaine. Bam!